Salut tout le monde, Sonic, j'espère que vous allez bien. Heureuse aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur le jeu Shatter, Tale of the Forgotten King. Aujourd'hui, nous allons du coup descendre en bas, dans cette fameuse zone vision d'Akbar. Et voir ce qui s'y passe. Cette zone qui, pour l'instant, me plaît beaucoup. Avec son espèce de truc temporel, c'est assez particulier. Alors, sauf que là, je vois pas grand chose. Je vais où? Je continue d'aller tout droit? Apparemment non. Peut-être suivre les poteaux de lumière. Ah attendez, il commence à faire... Pas du tout, il fait pas plus beau. Je pensais qu'il faisait plus beau, pas du tout. Bon, on va suivre les poteaux de lumière. Ah bah... En fait, c'est peut-être la fin de la zone. Par contre, cette zone permet de venir ici. Wow, what the fuck? Ah bah du coup, attendez, ce que j'avais dit dans le dernier épisode doit être vrai. Ça doit amener au temple de Durga. Et c'est ça le fameux chemin chelou qu'on voit sur la map. Oh, là-bas, il y a une zone enneigée. On voit derrière cette grande porte. C'est la deuxième fois qu'on la voit assez bien. Avec les 4 marques comme ça, il nous reste 2 boss à battre pour que ça s'ouvre, je suppose. Attendez, on dirait un parcours. The fuck. Pourquoi je sens que les devs se sont fait plaisir ici? Je sais pas si je suis attiré par ce truc ou non. Je sens que ça va être dur. Si vous voulez mon avis, ça va être un truc à faire avec l'engin là que j'ai dans mon utilisable actuellement. Ok, heureusement il y a un puits. Ce qui me semble logique. Parce que je sens qu'on va tomber dans le vide plusieurs fois. Ouais. Bon. First try, hein. Ok, là on peut ralentir. Hein. Bon, on pourrait descendre pour s'assurer une stabilité plus importante, mais ce serait un peu nul. Ah, patada! Wouah! J'ai réussi à me rattraper de justesse. Ok, ça va être une autre difficulté, ne pas se prendre les bords de la porte, enfin de l'arche. Ah ouais, non mais c'est chaud, en fait j'ai pas assez de vitesse. Ah, me dites pas que je dois vraiment le faire à fond, de tout le long. Non,
peut-être pas. Faut peut-être juste que j'ai assez de vitesse au moins avant. Ah, la mort, ok. Dommage. Si était presque, ça aurait été très stylé d'y arriver en sautant. En fait, le truc, c'est que je sais pourquoi ça passe pas. C'est que je lâche mon joystick avant le saut. Parce que j'ai peur de d'aller dans le vide. Du coup, je lâche mon joystick et je le tourne vers le côté, et du coup, ça me ralentit. Et je n'ai pas la vitesse suffisante. Ok. Bon, une mort. On va essayer de vraiment le faire speed. Non, putain, j'aurais pu me rattraper encore une fois. Dommage, j'avais assez de vitesse, mais encore une fois, j'ai eu ce ralentissement à la fin. Donc en fait, c'est plutôt facilement faisable avec le speed. Je pensais que je partirais trop vite, mais non, c'est assez maniable en fait. C'est bon, on a toujours 200. Fais chier! Wow, ok. Wow. Ah! Je l'ai senti là, que j'arrivais plus trop à bien le manier le truc. Ah ouais, non mais si déjà je galère dès le deuxième saut à faire, on va effectivement pas y arriver. Ok. Peut-être ralentir au moins. Enfin, quand je découvre une nouvelle section, je devrais ralentir histoire de voir comment il va falloir que je maîtrise la route. Mais en tout cas, très sympa ça. Il y a des. Pour l'instant, enfin depuis le dernier épisode, il y a des bonnes idées dans les zones. Enfin, je sais pas, c'est cool là. Il y a un peu de nouveauté, de découverte. J'ai pas l'impression de refaire la même chose quoi. Enfin, c'est un peu qu'on dit comme ça parce que finalement le village c'est la même chose. Mais ce que je veux dire au niveau de l'idée de la zone et tout. Genre la zone a une histoire, bon toutes les zones ont une histoire, mais il y a un truc particulier dans l'ambiance quoi. Donc c'était cool. Ok, on ralentit. Je peux ralentir. Là, il vaut mieux ralentir et booster au dernier moment. Non! Oh merde!
J'avais pas assez de vitesse. Ok. J'espère vraiment. Putain, si ça se trouve, faut vraiment booster durant tout le truc, sinon on n'a pas assez de vitesse pour certains sauts. Moi, j'espère pas. Parce qu'il y a des endroits, c'est chaud quand même. Encore le début, ça va, mais. Après le deuxième saut, ça me semble compliqué avec le boost. En fait, ça s'appelle comment déjà ce truc? On va changer de sujet. Il est où? Ah, attendez, je crois que je l'ai vu. Pas du tout. Ah là. Un espadon, voilà. Donc j'appellerai cet épisode Circuit d'espadon. Si du moins ça prend tout l'épisode. Hop hop hop. On est là, on est toujours là. Zéro souci. J'ai la speed, je suis un ouf. Ok, j'ai pas la speed, y a pas de saut à la fin, je crois. Oh, j'ai failli tomber, putain. Roi de la glisse, succès déverrouillé. Bah merci, je le mérite. Bah, je me la pète un peu. Essence titanesque. Essence d'une âme monstrueuse. Il y en a trois. Donc là, c'est pour aller. Ah non, c'est pas pour aller au temple, si. Ah, mais je croyais qu'il y avait un chemin qui permettait de rejoindre ça. Bah, j'ai pas vraiment le choix sur la destination là. Faut juste pas mourir maintenant, de façon débile. Ah, si, il y a un chemin qui rejoint. Est-ce que j'irai pas par là avant d'aller tout au bout? Je pense que je vais aller là d'abord. Dans la zone enneigée. C'est surtout que j'ai vu qu'il y avait un TP, donc je voudrais l'activer. Donc j'en ai un qui est pas actif là. C'est marrant. Alors que j'en ai d'autres qui sont actifs et qui me permettent d'aller à des endroits où je suis jamais allé. Oh, attendez, c'est cool ça. Nice.
C'est stylé ici, les arbres et tout. Mais j'ai l'impression que je pourrais peut-être venir ici que via le TP, je suis en train de me dire. Ouvrez la carte. Non, il y a un chemin à gauche. C'est très particulier. Il y a plein de chemins que j'ai pas pris, je crois. Ouais. Putain. Si je veux tout explorer, ça va être compliqué. Est-ce que la réalité... Est-ce... Hein? Et qu'est-ce que la réalité, tout compte fait? Qu'est-il derrière les sens, derrière les masques? On peut s'accorder finalement sur le fait qu'aucune relativité n'existe véritablement ici. Les choses sont simplement... Rien n'a d'effet permanent sur elles. Elles reviennent toujours à leur place, rappelées par quelque chose, par quelques ondes gravitationnelles minimes que mon esprit ne parvient à envisager. Et les masques qui nous couvrent le regard à nous, quel que soit, apparemment, notre provenance hors d'ici, que sont-ils? Une protection contre la physique impossible de ces étendues désagrégées, ou bien un carcan perceptif dont nous n'avons pas conscience, qui ferme nos capacités cérébrales et emprisonne nos mémoires, nous laissant errer comme dans un songe, sans espoir de n'en jamais comprendre le sens? Perdu face à une équation quantique dont nous aurions la réponse depuis des cents sans jamais pouvoir s'en souvenir. Peut-être ressentir en fait nos horizons des événements à nouveau. Ouais? Ah, merci. Tu vois quand tu veux. Je ne voulais pas te vexer, mais je dois admettre que je commençais à sérieusement interroger sur tes capacités intellectuelles. J'avais le vague sentiment d'être suivi par un espèce de guerrier charismatique et mystérieux, mais légèrement niais. Vis-à-vis de mes acquaintances habituelles, ça me contrarie un peu. Tiens, en fait, j'ai trouvé ça. Prends-le. Franchement, je ne saurais pas quoi en faire. Pas maintenant. Allez, vraiment. Au revoir. Essence héroïque. Essence d'une âme renommée. Mais ouais, mais putain, c'est... Pardon, mais ça fait plusieurs fois qu'on me donne des essences de je sais pas quoi. Et ça s'équipe en plus. Ça s'utilise. Je fais quoi de ça? Au revoir. Ok. On va retourner au niveau des limbes. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, je crois. Dans tous les cas, on a plein de thunes pour s'améliorer. Je suis un peu perdu quand même dans les étendues là parce que ça part dans tous les sens. Bon, je pense que dans tous les cas, on va aller au bout du grand chemin qu'on a vu qui doit permettre d'aller au niveau d'un des boss. Je peux augmenter 5 stats, c'est pas fou. Augmentons un petit point. Allez. Je crois que j'ai rien pour améliorer. Enfin, il me semble, hein. Ouais, non, j'ai rien eu. Oh, la tristesse. Puis je crois que j'ai rien pour améliorer le creuset. Ah, si! Ok, j'ai rien dit. Eh ben, j'ai plus de thunes pour améliorer. Ça, c'est bien joué, du coup. Quoique, c'est vrai que j'ai quand même tout. Oui, tous mes. Tous ces trucs. Utilisons-en un peu. La
Attends, les petits ils donnent 200, les autres ils donnent combien? Celui-là il donne 500, ok. Celui-là il donne 800. Celui-là il donne 1000, ok. Je m'attendais à avoir plus de thunes. Ah, bah là il me faut des trucs que j'ai pas beaucoup. Ok. C'est marrant, j'ai l'impression que... Ah, c'était un bug d'affichage. Je me disais, mon épée, elle est super grande. Mais c'était un bug d'affichage. Ah, comment je l'ai déclenché? Ah, merde. Je pensais pouvoir réussir à trouver, mais... C'est pas grave. Donc... On veut retourner ici. Ah, au fait, j'ai pas... Non, je crois pas avoir les 30 fragments machin... fragments éthérés pour l'épée. Je crois. Ah, c'est long le chargement, c'est vrai, j'avais oublié. Ça faisait tellement longtemps. Bon. Ouf, ouf. Merci. C'est trop drôle. Et du coup ici y a rien d'autre en fait. Ah si, y a tout un truc qui descend là. On ira voir ça plus tard. Je suis trop intrigué par ce long chemin. Waouh, vous avez vu sur les côtés? Vers nord de Miosis. Ah, alors attendez, en fait, le boss doit être en bas, peut-être. Ou alors c'est... Bah non, temple... Ah non, c'est juste pour me dire, le temple doit être... Ah, attendez, roule la carte. Ouais, le temple, en fait, doit être dans la zone. Eh oui, Miosis, c'est... D'accord. Ouais, bah j'y vais. Je sais pas où c'est que je vais. Je... Panique. Que va-t-il se passer? Oh. En vue du dessus comme ça, ça peut être sympa comme zone. Ah, mince. Ah, ok. Ah, il y a des choses par ici. Ah, ça permet de descendre. Ok, donc ouais, ça peut être sympa comme zone, ça.
Putain, mais là d'un coup, il y a vraiment des bonnes idées quoi. Genre, ils se sont réveillés au milieu, ils se sont dit on va faire des trucs un peu innovants dans les zones. Parce que là, ouais, c'est vraiment cool. J'adore. Bien, on va changer l'objet qui est là. Voilà. Ah, il ne l'a pas pris. Ouais, alors ça par contre, je sens que ça va arriver plusieurs fois. C'est vrai que le puits, il est juste avant. Mais il me semble bien que c'était pas à ma hauteur, ça quand même, hein, que c'est un peu chaud à faire. Ah! Ça va se remettre tout seul? Ça se remet tout seul. En sautant depuis ici. Ouais, bah merci au tir que je me suis pris, ça m'a empêché de faire mon saut bien comme il faut. Merveilleux. Allez, on va y arriver. J'aimerais bien le contrer pour que il me fasse pas chier le temps du saut. Voilà. Et là on revient normal et je suppose qu'on va repasser. Non, la vue rebouge pas. Dommage, même si je pense qu'elle va revenir à un moment. Oh, encore une orbe. Vous n'apprenez rien. Vos erreurs se répètent inlassablement, identiques. Elles emportent tout ce qui vous est inférieur. Car qui pourrait se défendre de votre science, de votre industrie, de cette affaire non frénétique? L'univers ne vous appartient pas. Attendez, du coup, c'est le chemin principal ici? C'est bizarre parce que la dernière fois qu'il y avait une orbe, c'était pas le chemin principal. Ah ouais, bah ça doit être le chemin principal du coup. Hop, on active le portail. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici d'abord? Oh, quelle bande de connards! Oh, attendez, je suis en vie. Moi, je suis plus en vie. Oh, ça se fait pas, ça. Oh, je me suis bien fait avoir. Voilà, on sait pas avoir.
pas à savoir si c'est la suite ici ou non. Je pense qu'ici il y a le temple pour le boss. Ça fait un peu mystique et tout. Je pense qu'il y a le temple. Des objets encore en bas. Ouais, c'est le temple, je crois. Ok. Hop. Je peux juste prendre les objets qui sont là. En plus, c'est un voyageur, donc c'est cool. Mais c'est Echard Memorial. Tout à l'heure, j'ai pas dit le bon mot. Je sais plus qu'est-ce que j'ai dit, mais c'était pas le bon mot. Essence mémorielle, je crois que j'ai dit. Il y a des puits un peu partout dans cette zone. Y a rien derrière. Non. Eh bien, nous sommes partis. Nexus apocalyptique, je crois que c'était le nom. Vas-y, amène-toi. Keter. Ok. Keter, tu fais assez mal. Ah, il le fait plusieurs fois. Bon, je sens que c'est encore un boss où on va faire quelques trails ensemble et que. Et qu'au bout d'un moment ça va me gonfler et que je vais vous épuiser tout ça. Enfin, ça va me gonfler. C'est plutôt que je vais passer genre une trentaine de trails avant d'y arriver. Et que c'est pas intéressant à voir, surtout qu'on est bien avancé dans l'épisode si je dis pas de conneries. Donc, ouais. Ah, donc il peut faire ça. Bon, j'ai perdu ma thune, après j'en avais pas beaucoup, donc c'est pas très grave. Mais ok, il a les mêmes coups que le deuxième boss en fait. Mais j'ai l'impression qu'il est plus rapide dans ses mouvements. Dommage que j'ai pas non plus pour pouvoir faire deux coups derrière, mais. Parce que là j'étais pas mal quand même. Ah, si je peux le taper quand il fait cette attaque, moi je vais en profiter. Hein.
soin pratiquement. Oh, what? Ok. Ouais, bon, j'ai utilisé des soins pour rien. Il est pas si dur. Parce qu'il a pas des espèces de phases comme le deuxième boss. Il n'avait pas vraiment de phase, mais c'est plutôt qu'il y avait des segments de vie et que c'était chiant parce qu'il y avait un moment où ils apparaissaient des unités et tout. Ça cassait le rythme. Donc ouais, ça devrait pouvoir le faire. Je pense que Strike peut être le bon. Voilà, faut juste que je me remette en tête que quand un contre... Quand je fais un contre, vaut mieux que j'esquive en fait. Et que je revienne à la charge après. Bah, genre là, je vais me prendre le coup exactement. Ouais, je disais que ce travail allait être le bon, bien sûr. Oui. Veilleur exécuté, c'est bon. Donc ça on l'a déjà vu. Ça on l'a déjà vu, je crois aussi. Voilà. En cas d'activation, et en partant du postulat qu'il reste au moins un serveur monolithe en état dans la réalité physique, le réseau doit immédiatement se restructurer pour générer une réalité virtuelle alternative sur la base des paramètres universels standards. La simulation doit
être viable pour des consciences numérisées via restauration limbique. Situation immédiate des administrateurs en démiurge entité réseau. Situation des citoyens Astien en entité réseau après validation d'administrateurs priorisés selon le système de classification EDL. EDL. Ok. Je sais pas trop, mais ok. Espadon de Durga, malgré leur immense pouvoir de destruction, les épées cardinales sont avantagées. Oui, ça on l'a déjà vu, enfin un nain. Ouais, bon, ok. Segment du creuset. Et enlevé. Noyau de Radamante. Ok. Du coup, l'arme, elle a quelque chose de particulier cette fois ou... Ouh. Ah oui, là par contre, elle a vraiment beaucoup de dégâts et elle est vraiment super lente. Faites voir. Ah, putain, oui, elle est grosse. Ah! Attendez, elle a pas des mêmes coups pour une fois. Elle consomme pas mal d'endurance aussi. Hein. Mais tant que tu restes appuyé, ça fait. Enfin, appuyé. Tant que tu continues d'appuyer, ça fait ça quoi. Oh, c'est super lent! C'est bien pour une fois, il y a une épée qui a d'autres combos. Ah putain, pour une fois qu'elles ont une différence. Ça devient confondant. Transporter deux sources d'énergie dont tu ne sers rien sous ta robe et laisser s'entrechoquer à chaque pas te semble être une riche idée. Tu peux aussi les utiliser comme des siècles et essayer de nous faire du feu juste pour voir. Tu ne pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. Mais j'en ai trois d'ailleurs, je comprends pas. Il y a eu un. Merde, j'ai un petit soin sans faire exprès. Il y a eu un bug la première fois que j'ai dû en récupérer un. Ou alors je l'ai récupéré ailleurs. Regardez, j'en ai trois. J'en ai pas que deux. Il y a un bug dans ma matrice. Hein. Hop. Bon, du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode qui aura été riche en contenu, dites-moi. Donc, ouais, on va s'arrêter là. J'espère que. Oh, attendez, on doit pouvoir avoir une bonne vue ici. Ah, ouais. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde!